Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue via Facebook et grâce au public de ma TV. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui, comme vous le savez, est consacrée aux grands hommes et aux grandes femmes qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. C'est un soir un peu particulier pour nous puisque nous inaugurons notre 5e saison déjà, une saison qui sera consacrée au 20e siècle, 20e siècle québécois bien sûr, siècle de la Révolution tranquille. Donc, nous avons sélectionné 8 figures marquantes pour cette 5e saison. Ça n'a pas été facile. On a essayé de ratisser le plus large possible. Mais vous allez voir que vous allez y trouver votre compte, non seulement pour les personnages sélectionnés, mais pour les invités qui ont été justement choisis pour venir en parler de ces grandes figures. Alors, ce soir, on commence en Lyon avec une très grande romancière du 20e siècle, Gabrielle Roy. Gabrielle Roy qui est née à Saint-Boniface, au Manitoba, en 1909, et qui est décédée à Québec en 1983. Gabrielle Roy est la petite dernière d'une grande famille canadienne-française qui s'était donc installée dans les prairies. La petite dernière, une enfant plutôt à la santé fragile, une bonne élève, qui devient institutrice à 19 ans, comme plusieurs jeunes filles, jeunes femmes de l'époque. Son destin en apparence semble tracé, elle se mariera, elle aura des enfants, et surtout, comme c'est la petite dernière, elle s'occupera de sa mère un jour vieillissante. Or, ce destin, ce n'est pas celui tout à fait qui l'intéresse. Elle a d'autres ambitions et d'autres aspirations. Elle découvre d'abord le théâtre au tournant de la vingtaine. Elle découvre les grands textes littéraires et elle rêve de voyager. Elle rêve d'aller en Europe, hein, un rêve partagé par beaucoup de jeunes, mais peu l'accomplissait, peu lui donnait forme. Donc, elle met un peu d'argent de côté et elle réalise ce rêve. Elle va passer 2 années en Europe. Et lors de son retour en 1939, plutôt que de retourner au Manitoba, elle décide de rester au Québec. Elle reste au Québec, elle devient journaliste, reporter, et elle lance son premier roman en juin 1945. Et quel roman? Bonheur d'occasion. Ce roman connaît un succès immédiat, un succès critique, mais aussi un succès populaire, non seulement au Québec, mais aussi à l'étranger. Ce roman remporte un prix prestigieux en France et est traduit en anglais et connaît une belle diffusion aux États-Unis et au Canada anglais. S'amorce alors pour elle le deuxième versant de sa vie, une vie qui est complètement consacrée à la littérature, une sorte de sacerdoce, nous dira notre invité. Un sacerdoce, donc, une vie complète dédiée à quoi? À faire œuvre, à laisser une œuvre. Une œuvre qui sera multiforme, faite de romans, de nouvelles, de récits et d'une autobiographie exceptionnelle qui sera publiée après sa mort. Gabrielle Roy, dans les dernières années de sa vie, croise un jeune professeur de littérature de l'Université McGill, originaire de Shawinigan, et un lien se crée entre eux. Un lien tellement fort qu'elle va lui demander de s'occuper de son œuvre une fois qu'elle aura disparu. Eh bien, ce jeune professeur de lettres a fait une très belle carrière par la suite, après 1983. Il est devenu lui-même écrivain à sa façon, puisqu'il est un essayiste très reconnu. Il s'est mérité en 2018 le prix Athanase David. Et il a écrit la biographie de Gabrielle Roy, qui fait toujours autorité. Elle a été publiée en 1996. Je vous prie donc d'accueillir M. François Ricard. M. Ricard, ça fait drôle bonsoir. De vous accueillir dans jeune, ce silence. Il est moins jeune qu'avant. Oui, en effet. Bienvenue. Merci. Vous prendre place. Merci bien. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté de me recevoir. De notre invitation. Comme vous le voyez, on respecte le 2 mètres. Hein. Habituellement, on est un peu plus proche de nos invités. Mais le public aura compris que nous enregistrons cet entretien sans public, puisque nous respectons évidemment les règles édictées à cause de la COVID. Alors, vous avez, je le disais dans l'entretien, ce n'est pas tous les biographes qui ont la chance de développer un lien de confiance, presque un lien, je pense, d'affection, d'amitié en oui, tout cas. Sûrement. Avec leur objet d'étude. Comment vous l'avez rencontré, Gabrielle Roy? Racontez-nous. Ouais, mais d'abord, il faut dire que moi, bon, je l'ai connu pendant les 10 dernières années de sa vie. J'avais aucun projet de biographie. C'est pas du tout pour cette raison que non, je l'ai croisé. J'imagine. C'est par une grande admiration que j'ai éprouvée très tôt pour elle, sans la connaître bien avant, depuis l'époque de mes études. Et j'avais fait mes études supérieures en France.
Et en rentrant au pays, on me demandait à l'Université McGill d'enseigner la littérature québécoise. Là, on est au début des années 70, au tout début des années 70. Alors, j'ai dépensé mon salaire, mes premiers mois de salaire à m'acheter des livres québécois. On n'étudiait pas beaucoup la littérature québécoise c'est à l'époque vrai. Dans les c'est écoles vrai. Du Québec. Et je suis tombé sur l'œuvre de Gabriel Roy qui m'a tout de suite séduit, qui m'a... Et surtout, devant laquelle je me suis trouvé comme devant n'importe quelle grande œuvre de la littérature, n'importe française ou autre. Là, pour moi, c'était, il y avait là une sorte de présence, de vérité. C'était sûr que c'était une grande œuvre littéraire. Alors, j'ai écrit un petit livre sur elle. Vous savez, j'étais jeune prof. Et déjà, il y avait la loi du « publish or perish ». Il fallait publier. Et j'ai passé donc un été à écrire un essai sur son œuvre, un essai pour une petite collection. Et à la fin, il fallait des photos, il fallait des inédits dans ce petit livre. Et là, on est en quelle année? On est en 73 à peu près, 74. Gabriel Roy, à ce moment-là, travaille beaucoup, mais disons que ce n'est pas une période particulièrement facile pour elle, dans la mesure où elle a un peu perdu son public. Le public qui était le sien autrefois, elle va le retrouver un peu plus tard. Mmh. Elle est un peu perdue, elle est un peu solitaire. Et donc, moi, je décide d'écrire ce petit livre et je lui demande les documents en question. Elle me téléphone, elle me dit de venir à Petite-Rivière-Saint-François la voir. Et là, il y a eu une sorte de déclic qui s'est fait. On s'est tout de suite entendu. Et je suis devenu un peu son... Bon, on est devenu amis assez rapidement, c'est sûr. Mais je suis devenu un peu son agent de liaison avec le milieu littéraire. Vous savez, elle était extrêmement... Elle n'était pas du tout timide, un peu sauvage, un peu... Enfin, elle était très jalouse de son intimité. Mmh. Elle refusait de voir des journalistes, elle donnait d'entrevues à personne, elle fréquentait absolument pas le milieu littéraire. J'étais un peu son agent avec les journalistes, avec les éditeurs. Donc, on passait par vous? On passait, bien, elle passait par moi surtout. Oui, oui. Elle recevait toutes les demandes et elle me demandait de m'en occuper. Mais surtout pour moi, ça a été, comment dire, un apprentissage extraordinaire. Là, l'âge que j'avais. Ben oui, vous êtes un tout jeune homme. J'avais 25 ans, peut-être 26, par là. C'est vrai que j'étais tout jeune et je me suis retrouvé devant une pro, là. Une sorte de. Il y avait chez elle une sorte de maîtrise, d'expérience de l'écriture. Il y avait aussi une vision de la littérature tellement importante à ce moment-là, pour moi, tellement importante pour elle et tellement importante pour moi que je considère que ça a été une des grandes chances de ma vie de la connaître. Au fond, même si j'avais fait des études de lettres, même si j'étais professeur de lettres, c'est elle qui m'a, en quelque sorte, introduit à l'univers de la littérature. Et bon, j'ai travaillé avec elle sur ses textes. C'est une grande période pour elle. Elle écrivait... À ce moment-là, c'est l'époque où elle a écrit « Un jardin au bout du monde »,« Ses enfants de ma vie »,« La détresse et l'enchantement ». Et j'ai assisté, entre guillemets, à cela. C'est-à-dire, elle écrivait, je n'avais pas besoin de moi pour écrire, loin de là. Ouais. Mais on lisait ses textes ensemble, on les travaillait, Quand on est si jeune, puis on est face à, on pourrait le dire, sans emphase, une sorte de monument bien sûr, de notre littérature, il faut un certain temps avant d'aller au-delà de ça, de rentrer dans une sorte de familiarité, de complicité, tout évidemment. Oui, mais c'est-à-dire toujours, on a eu chacun sa vie intime. Vraiment, notre relation était entièrement fondée et passait uniquement par la littérature. D'accord. Et surtout par son œuvre à elle, mais aussi de façon plus générale, par notre besoin de la littérature et notre conception de la littérature. Jamais elle a essayé de percer mes secrets personnels. J'ai fait la même chose avec elle. D'accord. Et même sur le plan politique, on est dans les années 70. Ah oui, c'est vrai. C'est donc PQ va être élu en 76, la loi 101, le référendum de 80. Vous ne lui posez pas de questions là-dessus? C'est-à-dire, oui, on s'en parlait. Elle me disait que ses opinions, je lui disais les miennes, et elles n'étaient pas du tout les mêmes. C'était pas du tout les mêmes, mais jamais elle a essayé de me faire changer d'idée. Ouais. Jamais j'ai essayé de la faire changer d'idée. Ouais. On se tenait à carreau et on s'intéressait à ce qui, pour nous, était le plus important. C'était peut-être une sorte de fétichisme, je ne sais pas, mais pour elle, c'était le sens de sa vie, tout simplement. Ben oui. Alors, justement, parlons de cette vie très, très riche. Alors, elle naît au Manitoba, mais ce qu'on découvre en lisant votre biographie, c'est que ses parents, sont installés au Manitoba, mais c'est frappant à quel point ils ont été mobiles, quoi. Ce sont d'abord des Québécois. Et même au-delà des Acadiens. Racontez-nous. Des Acadiens, d'abord. Elle a une ascendance acadienne très importante. Et c'est des Acadiens qui sont venus s'établir dans la région de Lanaudière au 19e siècle. Et de là... sa famille, donc ses grands-parents maternels, qu'elle a très bien connus, ses grands-parents maternels, vers 1880, ont décidé
un peu influencé par les prêtres colonisateurs de cette époque qui cherchaient un peu de la main-d'œuvre pour l'Ouest, ont quitté donc la région de la Naudière et sont allés au Manitoba où on leur offrait des terres. Le Manitoba a été créé en 70. On est à peu près en 80, 1870-1880. Mmh. Et là, il y a des terres, on veut attirer les colons. On leur offre d'immenses terres et de très belles terres, surtout au sud de Winnipeg-Saint-Boniface. Mmh. Donc, ses grands-parents partent. Un peu, moi, ça me fait penser un peu au film western. On voit des convois de chariots. C'est tout à fait la même chose. Et ils partent s'établir là-bas. Et au fond, avec l'idée un peu de rebâtir. Gabriel a écrit un très beau texte là-dessus, dont le titre est « Refaire ce qui a été quitté ». Ils ont essayé, en quelque sorte, de rebâtir leur patrie un peu plus loin. Et il faut dire que c'était un peu dans l'idéologie du temps. Les prêtres colonisateurs dont on parlait avaient comme mission de créer... Le Manitoba était ouvert, là. Ouais. Ça pouvait devenir une province française. Ouais. Hein, on aurait pris l'Ontario en sandwich, en quelque sorte, le Québec d'un côté, le Manitoba de l'autre. Donc, ils avaient cette espèce de rêve d'agrandir le territoire, de poursuivre la nation. Le père de Gabriel Leroy était un fan de Wilfrid Laurier. Le père de Gabriel Leroy, c'est un peu différent dans la mesure où lui, c'est un solitaire. Il a quitté très tôt sa famille. Il a fait des crochets par les États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. Et il est abouti, lui aussi, dans la même région. Et il a connu la mère de Gabriel Leroy. Ils se sont mariés en 86. Et ils ont vécu pendant une dizaine d'années dans cette région qui s'appelle la montagne Pembina. C'est une région magnifique au sud de Winnipeg, comme je l'ai dit. Et Léon Roy, le père de Gabriel, donc, assez vite, s'est intéressé à la politique. C'est vraiment un homme extrêmement débrouillard, un jack of all trades, si l'on veut. Et il est devenu un peu organisateur, militant du Parti libéral, ce qui ne faisait pas du tout l'affaire du clergé catholique, francophone. Alors, il était plutôt mal vu, mais finalement, il a gagné son pari, puisque Laurier a été élu en 96. Et aussitôt après, Léon... C'est la politique de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus comme mais ça. Non, du tout. Plus du tout. Non, plus, évidemment. Plus de patronage. Alors, aussitôt au pouvoir, Laurier et Sifton ont obtenu un poste, ont offert un poste à Léon qui lui a permis de déménager à Saint-Boniface. Et Léon Roy est devenu agent de colonisation. On dit dans les textes « French interpreter », interprète français, mais en réalité, agent de colonisation, c'est-à-dire il aidait les immigrants arrivés d'Europe, surtout d'Europe de l'Est, mais parfois aussi de pays francophones. Il les accueillait à Winnipeg, il les accompagnait vers les terres qui leur avaient été offertes au Manitoba plus loin, ou même dans ce qui allait devenir bientôt l'Alberta, la Saskatchewan et l'Alberta. Donc, c'était pour Gabriel, c'est important pour Gabriel, parce qu'elle a connu son père agent de colonisation, son père qui était, qui avait ses entrées dans toutes dans toutes les communautés d'immigrants. C'était absolument fascinant pour elle. Il faut dire que le Manitoba, à cette époque, Winnipeg, c'est une sorte de caravane-sérail où arrivent des gens de partout dans le monde. C'est tout à fait fascinant, je crois, pour, pour une jeune fille, surtout un enfant éveillé comme était Gabriel. Alors donc, mais ce qui va se passer, malheureusement, c'est que, on le sait, je ne veux pas faire ici toute l'histoire du Manitoba, non, mais les affaires vont tourner plutôt mal. C'est-à-dire, ces francophones, ces Québécois qui sont arrivés à la fin du 19e, un peu avant la Première Guerre mondiale, se sont trouvés un peu marginalisés. On a interdit l'enseignement du français, l'enseignement de la religion. Ils se sont sentis vraiment complètement déclassés. Et c'est devenu un milieu très étroit, refermé sur lui-même. Gabriel Leroy dit quelque part, c'était comme une forteresse. Hein. On était comme Albi. C'est-à-dire, on était vraiment... Il fallait faire attention, il ne fallait pas se mêler aux étrangers, il fallait se surveiller les uns les autres. Alors, c'est un milieu assez étouffant pour elle à cause de ces circonstances. À cela s'ajoute le fait qu'elle a commencé à aller à l'école. Donc, elle est née en 9. Elle a commencé l'école en 15, à 6 ans. Et en 16, on interdit l'enseignement du français officiellement dans tout le Manitoba. Donc, elle va faire, à la différence de tout le reste de sa famille, elle va faire toutes ses études en anglais, dans une école française. Bon, elle a raconté souvent que les bonnes sœurs, c'était les sœurs de Saint-Nom Jésus-Marie, que les bonnes sœurs trouvaient des moyens d'enseigner le français et la religion quand même, mais c'était plus ou moins clandestin. Mais au fond, on en reparlera un peu tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'elle en a vraiment souffert, puisque très, très tôt,
elle a décidé que c'était pas sa vie, que ça oui. ne serait pas sa vie. Vous l'avez dit tout à l'heure et c'est tout à fait juste. Là. Alors, un mot sur peut-être des femmes dans son entourage, oui. parce que c'est quand même une femme émancipée, affranchie de son milieu, qui a pris des décisions assez étonnantes pour une femme de sa génération. Est-ce qu'elle a eu des modèles de femmes fortes autour d'elle? Et bien sûr, bien sûr. Et moi, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai fait ma biographie, parce que je connaissais... J'avais un peu parlé de sa famille avec elle, mais très peu. Pour moi, c'était très vague, c'était très loin, etc. Mais là, avec la biographie, j'ai creusé un peu l'histoire de chacun des membres de la famille. Il y avait trois garçons, trois fils. Tout le monde était plus vieux que Gabriel, elle était la dernière née. Trois garçons qui, très vite, ont disparu, comme s'ils avaient été, en quelque sorte, écrasés par leur père, qui était un homme très, très fort, très, jusqu'à ce qu'il lui arrive des malheurs à lui aussi. Alors, donc, les garçons sont des êtres... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue à travers ma recherche, des êtres plutôt faibles, fuyants, qui d'ailleurs ont quitté le foyer très, très tôt, puis ont donné un peu de mal à leurs parents. Alors que les femmes dans cette famille sont vraiment très fortes. On va parler beaucoup de Gabrielle, mais un mot rapide sur trois d'entre elles. Anna, qui était l'aînée, qui elle aussi avait plein d'ambition. Elle voulait écrire, elle voulait... s'élever, elle voulait une vie plus facile. Elle est devenue institutrice, elle aussi, mais malheureusement, entre guillemets, elle s'est mariée assez jeune, elle a eu des enfants. Comme c'était souvent le cas. Ça a été fini. Il y a eu ensuite Adèle. Alors, Adèle, c'est tout un numéro. Adèle, c'est celle qui va poursuivre plus tard Gabriel de sa haine et de sa jalousie jusqu'au-delà du tombeau. C'est assez triste, cette histoire. C'est une histoire à la fois triste et un peu comique, peut-être. Oui, un peu loufoque par moment. Mais Adèle est une femme extrêmement forte. Écoutez, elle décide à peu près à 30 ans qu'elle va faire son baccalauréat, qu'elle va obtenir son baccalauréat. Elle a mis, je pense, 12 ans avant d'obtenir son diplôme. Mais la pauvre, elle était absolument invivable. Elle avait un caractère de chien. Elle s'est mariée, elle aussi. Elle a quitté la maison assez tôt. Elle s'est mariée dans l'Ouest. Et la légende veut que son mari se soit sauvé par la fenêtre après deux jours. Mais c'était après deux jours. Après deux jours. Là. Okay. Mais c'était vraiment une femme très, très forte. Elle a écrit beaucoup. Elle a noirci des pages et des pages. Elle était déterminée à vraiment réussir. Et quand elle a constaté le succès un peu plus tard de Gabriel, ça l'a encore plus stimulée. Elle voulait obtenir la même chose elle aussi. Mais là, il y a vraiment un modèle de femme très forte. Et il y avait enfin Bernadette, la religieuse, qui elle aussi a été institutrice, mais qui est entrée aux Sœurs des Saints Noms Jésus-Marie. Bon. Alors ça, vous avez là donc trois femmes qui ont, d'une certaine manière, rejeté le destin commun des femmes de cette époque. À quoi il faut ajouter deux autres femmes, je pense, qui l'ont beaucoup marqué. C'est sa grand-mère, sa grand-mère maternelle, la grand-mère Landry. Dont elle a fait un personnage dans La Route d'Altamont qui s'appelle Ma grand-mère toute-puissante. Et là, mais ce n'est pas le même type. Là, c'est vraiment la femme traditionnelle, mais très forte. L'enfant lui dit dans la Route d'Altamont, « Mais tu es Dieu le Père, tu es Dieu le Père, tu sais tout faire de tes mains, etc. » Et, bien sûr, la mère de Gabriel Roy aussi. Oui. Elle aussi, c'est une femme quand même très, très forte. Mais c'est des destins en même temps un peu tristes. C'est des femmes remarquables, mais qui ont été comme écrasés par leur milieu, empêchés de se réaliser pleinement. Ce qui a donc fait que Gabrielle a été profondément attachée à ses femmes, sauf peut-être à Adèle. Elle a été très attachée à ses sœurs et à sa mère, mais en même temps, elle a voulu s'éloigner de ce monde, s'éloigner de ses femmes assez rapidement. Mais justement, avant d'y arriver, peut-être un mot sur sa formation et sa découverte du théâtre. Oui, de sa formation, elle a suivi, donc elle a fait ses études... à l'Académie Saint-Joseph, qui était le couvent de filles à Saint-Boniface, dirigé, je l'ai dit, par les Sœurs des Saints-Noms de Jésus-Marie. On peut imaginer un enseignement qui était assez proche de celui que les mêmes sœurs donnaient ici à Montréal, au Jésus-Marie, par exemple. Ici, c'était réservé à la bourgeoisie, mais là-bas, c'était ouvert. Il y avait un ministère de l'Éducation, quand même. C'était une école publique. Et c'est un enseignement de très grande qualité, traditionnel, bien sûr, mais de très, très grande qualité, dans lequel les arts, dans lequel la géographie occupait beaucoup de place, les mathématiques, etc. Mais ce qui est frappant quand on suit le parcours scolaire de Gabriel Roy, c'est que pendant son cours primaire, c'est une élève indolente, paresseuse, qui manque très souvent l'école, qui est maladive, qui est un peu... qui se plaint constamment. Vraiment, elle déteste l'école. Et là, subitement,
en arrivant au secondaire, elle change complètement sa manière d'être et elle devient du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, l'élève modèle, la lauréate parfaite, celle qui remporte tous les prix, première de sa classe à chaque année. Elle est restée là jusqu'à la 12e année, première de sa classe. Tous les concours, il y en avait beaucoup à l'époque, tous les concours, toutes les soirées publiques, etc., elle était toujours la star, elle était toujours la vedette. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et bon, je pense que c'est la puberté, elle est arrivée à la puberté, donc là, quelque chose qui se passe, c'est certain. Mais aussi, elle dit la toute première phrase de La détresse et l'enchantement. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Que j'ai ici. Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieur? Exactement. Vous la connaissez par cœur. Exactement. Parce que ça m'avait tellement frappé quand ouais, j'ai lu ça. C'est vrai. Et moi, j'ai donné ça. Tout de suite une interprétation, excusez-moi, nationaliste à cette phrase. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas seulement ça. Pas seulement ça, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, on se dit, après une phrase comme celle-là, bon, elle va se battre, elle va se, comme on a fait au Québec, comme on a fait ailleurs, elle va combattre pour les Franco-Manitobains, etc. Mais non. Ce n'est pas ce qui va se produire. Donc, et cette scène se passe alors qu'elle a 12 ans. La détresse et l'enchantement, c'est une autobiographie, mais ça commence quand le personnage a 12 ans. Et c'est le tournant. Là, je crois qu'elle découvre que c'est une malédiction. Je m'excuse d'employer ces termes, mais ils ne sont pas trop forts. Que sa condition de femme, de franco-manitobaine, de catholique, c'est pour elle, et de quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, que c'est une série d'obstacles, d'empêchements qu'elle ne pourra pas se réaliser, qu'elle ne pourra pas, qu'elle n'aura pas une vie qui vaille la peine si elle ne tourne pas le dos à tout ça, si elle ne se libère pas de tout cela. Et c'est une sorte d'ambiguïté constante. C'est, disons, dans ma biographie de Gabriel Leroy, c'est la chose la plus surprenante que j'ai pu découvrir dans ma recherche pour la biographie. C'est cette volonté, cette ambition, parfois même qui prendra des aspects un peu difficiles à avaler. Qui devait se vivre parfois dans la culpabilité. Mais voilà, qui va finir par se vivre dans une culpabilité. Au début, non. Au début, je veux dire, pendant ses études secondaires, puis ses années d'enseignement, non. Là, elle prend son envol, elle laisse tomber, elle combat tous les obstacles, tout ce qui se dresse devant elle. Elle fait du théâtre. Pourquoi elle fait du théâtre? Ouais. Elle espère devenir une grande vedette. Hein? Mm. On est à l'époque du cinéma parlant qui vient de commencer là, dans les années 30. Et Hollywood est déjà une sorte de paradis. Alors, elle vise une grande carrière de comédienne. Et elle suit des leçons, elle fait du théâtre avec le Cercle Molière, elle fait du théâtre en anglais avec le Winnipeg Little Theatre, elle a joué. Vous voyez, l'anglais, ce n'était pas un problème du tout pour elle. Elle y tenait à l'anglais, elle y tenait. Même chose, elle commence à écrire aussi un peu. Et elle publie, même son premier texte est un texte écrit en anglais qui s'appelle « The Jarvis Murder Case ». Qui est une nouvelle publiée dans un journal là-bas, à Winnipeg, en 1934. Elle a 25 ans, là. Alors, théâtre, littérature et culture. Elle veut, elle, vraiment, pour elle, son avenir, l'être auquel elle rêve, l'être qu'elle rêve de devenir, ça passe par la culture, ça passe par les arts, par la littérature, le théâtre, etc. Et la culture, pour un Canadien français, ça se passe en Europe. Voilà. Donc, il faut, le temps file, oui, il faut rapidement parler de son voyage en Europe, 37-39. Ouais. En quoi a-t-il été... Son premier séjour. En quoi a-t-il été déterminant? D'abord parce que c'est la conclusion, c'est le couronnement de tout ce processus d'affranchissement, d'émancipation qu'elle vit depuis l'âge de 12 ans. Elle, au fond, sans que ce soit dit très précisément, elle rêve de ce départ, pas seulement parce que c'est l'Europe, mais parce qu'elle va s'éloigner de son milieu, elle va aller vers autre chose. Et là, il y a un moment de grande culpabilité parce qu'elle abandonne sa mère, littéralement, elle l'abandonne. Et moi, je me souviens, j'étais à Winnipeg dans mes recherches. Je fouillais dans les archives du ministère des Affaires sociales, ça s'appelait autrement, là, de l'époque. Et on voit la demande que Mélina, la mère de Gabriel, doit remplir pour obtenir le secours direct. Le secours direct. C'est les années 30. Alors que sa fille, c'est dur. Moi, c'était très dur pour moi de voir ça. Sa fille, au même moment, a un poste d'institutrice à 1 200 $ par année. Ça en est en pleine crise économique. Et bon, elle paye sa petite pension, mais surtout, ce qui la préoccupe, c'est de mettre son argent de côté pour partir. Et elle doit, mais c'est déchirant, complètement déchirant.
elle doit, en quelque sorte, abandonner sa mère. Et elle est la plus jeune de la famille. Ses sœurs lui en voudront pendant très longtemps. Ses sœurs, les voisins, on se dit que c'est inadmissible de trahir ainsi les siens, de trahir sa mère. Alors, elle va garder cette culpabilité, moi, je pense, jusqu'à la fin, jusqu'à la détresse et l'enchantement. La détresse et l'enchantement, c'est un peu la... Beaucoup plus tard, donc à la fin de sa vie, elle règle enfin ses comptes avec cette situation. Mm. Mais sur le coup, moi, je pense que c'est vraiment là un tournant. C'est en ce sens-là que c'est un tournant. La vie en Europe elle-même, bon... Ah, attention, là, attention. Vous avez l'air de pallier ça, non, là, non, j'oublie. Elle rencontre un homme... J'oublie deux choses. ...qui n'est pas, pas ordinaire. Mais sinon, c'est un séjour européen assez banal pour l'époque. Elle vit autant à Paris, à Londres, la campagne, bon, etc. Elle fait du tourisme amplement, mais il se produit deux choses. D'ailleurs, en même temps, il se produit sa rencontre avec Stephen. Elle le nomme Stephen dans l'autobiographie. Moi, je l'appelle Stephen dans ma biographie parce que j'en sais pas plus. J'ai appris depuis qui c'était, ce monsieur. Ah bon? Oui. Ben, il faudrait une autre édition. Il s'appelle Stephen Davidovich. Oui. C'est un Ukrainien, un Manitobain en réalité, d'origine ukrainienne, et qui est en Europe. Bon, elle le sait ça déjà à l'époque, qui est en Europe, envoyé, mais elle ne le sait pas clairement, envoyé par une organisation américaine pour aller préparer des coups en Ukraine contre les Russes qui occupent l'Ukraine. Et donc, Stephen se trouve, par le fait même, à cause de la conjoncture internationale, se trouve être un allié des nazis. Il travaille avec les nazis. Gabriel, qui a plutôt des sympathies de gauche, en tout cas, c'est la dernière chose que voulait d'un homme, c'est qu'il soit un nazi, bien sûr. Oui, on imagine. Mais il y a eu un phénomène là, de passion. Et vous voyez, on dit souvent que les Canadiens français allaient en Europe à cette époque-là pour perdre leur virginité. Mais c'était beaucoup ça. Oui. Alors, elle est allée en Europe, elle a commencé à fumer, elle a cessé d'aller à la messe. Et elle a eu cette passion amoureuse. Elle a eu cette liaison très profonde, très réelle, mais à laquelle elle a renoncé assez vite. Et elle dit... De cette aventure, j'ai gardé quelque chose comme un effroi devant l'amour. Ben, un effroi. Ça m'a beaucoup frappé aussi. Oui, un effroi devant l'amour. Et c'est sûr que, dès le départ pour elle, elle a vécu cette passion de façon extrêmement intense et elle s'est dit plus jamais. Plus jamais on ne me tirera de moi-même. Je n'accepterai d'être comme ça, tiré hors de moi-même par quelqu'un d'autre. Et pour elle, l'amour est devenu un peu l'équivalent d'un asservissement, d'une sorte de servitude. Et elle s'en est ensuite prémunie tout le reste de sa vie. Ça, c'est important, première chose. Ouais. Deuxième chose, au moment où elle rompt avec Stephen, exactement au même moment, à l'été 38, elle commence à écrire. C'est-à-dire, elle avait écrit des petites choses dans les années 30, mais de façon sérieuse. Et elle abandonne le théâtre. Elle dit quelque part que quelqu'un lui avait fait comprendre qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour le théâtre. Elle n'avait pas la voix, elle était toute petite, elle avait... Bon. Mais pour le théâtre et surtout pour le cinéma. Donc, elle se tourne vers la littérature et elle écrit. Et finalement, trois de ses articles sont acceptés par un magazine parisien. Un magazine qui s'appelle « Je suis partout ». Je ne veux pas entrer dans le détail, mais c'était, Mais ensuite, plus tard, on l'a accusé. C'est l'extrême droite. Parce que « Je suis partout », c'était le magazine de... De l'extrême droite. Mais on est en 38. Oui. La guerre n'est pas encore commencée. C'est vrai. Le « Je suis partout » va devenir un magazine collaborationniste pendant la guerre. Mais ce n'était pas le cas en 38. Ce n'était pas le cas, au contraire. Puis il y avait de très bonnes plumes. Puis c'était un magazine grand public, des grands tirages, des dizaines de milliers d'exemplaires. Alors, elle voit ses textes, cette petite fille du Manitoba, du Manitoba que personne ne connaît, elle voit trois de ses textes acceptés avec un chèque qui vient ensuite. Alors, il faut se mettre dans la peau de cette jeune francophone inconnue qui vient de loin et qui, tout à coup, est consacrée, son talent est reconnu, son talent est consacré pas par le devoir ou pas par l'Action nationale, mais par un magazine parisien, par un magazine qui est habitué aux meilleurs, qui publie les meilleurs auteurs, etc. Alors ça l'a vraiment, je pense que ça l'a décidé vraiment, elle a compris que, même si ce n'est pas des très bons textes, elle n'a pas vraiment d'expérience encore, ce n'est pas des très bons textes, elle a décidé que oui, bien sûr, c'était sa vocation, c'était son avenir. Et donc, elle revient au pays. Elle s'installe au Québec, peut-être dire un mot pour pourquoi elle ne va pas, elle ne retourne pas au Manitoba, ça allait de soi ou... Bien, écoutez, elle vient d'être publiée à Je suis partout. Elle décide qu'il y a une porte qui s'ouvre là pour cette vie
elle appelle ça cette vie agrandie dont elle rêve depuis longtemps. Est-ce qu'elle va aller s'enterrer à Saint-Boniface pour ça, évidemment? Donc, elle poursuit un peu sur cette voie dans le journalisme pendant une période. Et là, pendant assez longtemps, pendant six ans, elle va faire du journalisme. Elle va d'abord, au début, des petites choses un peu faciles, des billets dans la page féminine du journal de Jean-Charles Harvey, des nouvelles, avec un certain succès d'ailleurs. Elle devient une auteure de nouvelles assez. Mais surtout, elle devient ensuite reporter dans un magazine, ça nous fait sourire un peu aujourd'hui, le Bulletin des agriculteurs, qui est diffusé dans toutes les campagnes du Québec. Qui est publié à Montréal. C'est un genre d'almanach, là, c'est un peu cet ordre-là. Non, c'est vraiment un magazine. Hein. Il y a beaucoup d'articles sur l'agriculture, mais il y a aussi beaucoup d'articles d'intérêt général, des chroniques politiques, etc. Mm-hmm. Et elle persuade les gens du bulletin d'accepter ses reportages. Donc, pendant cinq ans à peu près, elle va publier de grands reportages qu'elle publie sous forme de séries. Alors, mettons sept articles sur les groupes immigrants de l'Ouest canadien, les Mennonites, les Juifs. Ensuite, elle fait très, très belle série aussi sur des gens des îles de la Madeleine qui se déplacent vers l'Abitibi. Et elle les suit. C'est une journaliste. Une journaliste à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui, il est assis devant son écran d'ordinateur et en ayant des opinions surtout, en traduisant des dépêches. Ouais. Elle est journaliste reporter, elle est sur le terrain. Quasiment à la Joseph Kessel. Là, presque ça. Mais c'est une femme. C'est une jeune femme, très jolie femme, etc. Ouais. Mais elle part toute seule comme ça dans les chantiers forestiers, dans les mines, dans les industries. Et elle publie de très beaux reportages. Et le plus remarquable de cette série, c'est la première en 1942 sur Montréal. Alors là, c'est quatre articles qui sont vraiment superbes. Il n'y a rien de comparable à l'époque sur Montréal. Montréal, à cette époque, parce qu'on s'apprête en 1942, on célèbre d'ailleurs le tricentenaire de Montréal en 1942, et il y a des publications sur Montréal partout. Mais la plupart du temps, c'est la ville aux 150 clochers, toute une sorte de cette image de vitrail, Jeanne Mance, etc. Elle va sur le terrain, elle marche Montréal depuis la Pointe-aux-Trembles jusqu'à Saint-Henri. À pied, elle fait Montréal, elle fait tout le boulevard Saint-Laurent. Et là, elle nous décrit la vie montréalaise. C'est d'une modernité, c'est d'une beauté, même comme texte littéraire. C'est presque surréaliste. Imaginez le bazar de la rue Saint-Laurent. Là, c'est décrit avec tellement de vivacité, tellement de lucidité. Et je pense que c'est de là, d'ailleurs, que lui est venue l'idée de son roman. Parce que derrière la tête, même là, elle fait ses articles de journaux pour vivre. Et elle vit plutôt bien. Mm-hmm. Avec les années, là, elle devient vraiment très reconnue, très bien reconnue dans son métier. Mais elle a toujours derrière la tête l'idée que ça aussi, il faudra qu'elle le dépasse. Il faut qu'elle le dépasse, il faut qu'elle donne un roman, qu'elle donne un grand livre qui va connaître et qui va, prouver en quelque sorte sa valeur. Et là, quand elle se met à la tâche, et quel est le déclic pour écrire ce fameux roman « Bonheur d'occasion » je pense que c'est la découverte de Saint-Henri, justement. C'est pourquoi cette série aussi, dont je viens de parler, elle est très importante. On assiste à sa découverte de Montréal. Il y a des passages qui vont se retrouver presque dans le roman à propos de Saint-Henri, à propos de la Pointe-Saint-Charles, etc. Mais le déclic, je crois, elle habitait Westmount. Hein. Quand elle est arrivée à Montréal, elle s'est installée à Westmount. Ça lui rappelait Londres, etc. Et elle raconte qu'un jour, par hasard, elle a descendu la côte Atwater. Elle s'est retrouvée dans Saint-Henri de façon un peu inopinée. Et là, il y a eu une sorte d'illumination. Là, elle a dit « c'est mon peuple, c'est un milieu absolument unique, une humanité tout à fait partie, la fourmilière humaine. » Et en même temps, elle est allée là, je pense, la première fois, c'était l'époque des déménagements au mois de mai. Là. Il y a des scènes dans le roman là-dessus. Donc, à la fois une sorte de reconnaissance, elle s'est reconnue, elle s'est retrouvée dans ce milieu, c'est le milieu qui ressemble au milieu qu'elle avait connu à Saint-Boniface. Et aussi, sans doute, elle a vu qu'il y avait là matière à un livre. Est-ce que l'accouchement a été laborieux? Parce qu'on sait que certains de ses livres, je pense à Alexandre Chenevert, surtout Alexandre ça a été pénible. On ne sait pas trop, parce que vous savez, je formule des hypothèses dans ma biographie, parce que il y avait peu de documents. Gabrielle Roy ne gardait rien. Mm. Elle le disait toujours, elle voulait n'avoir qu'une petite valise dans laquelle elle pourrait n'importe quand mettre ses affaires et partir. C'est pour ça qu'elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas d'effet personnel et elle ne gardait pas beaucoup ses manuscrits. Mais d'après ce que j'ai pu retracer dans les correspondances, dans les manuscrits
des bouts de manuscrits que j'ai pu retrouver. Elle a fait trois versions. D'après moi, elle a fait trois versions. Elle a commencé, le livre a été publié en 45, mais il était fini en 44. Donc, moi, je pense qu'elle aurait commencé vers 41. C'est le moment des reportages dont je parlais tout à l'heure. Donc, de 41 à 44, à peu près trois ans. Elle ne parle pas de difficultés particulières, mais il faut dire aussi, ça, je ne l'ai pas signalé, qu'elle compte à ce moment-là sur l'aide d'une sorte de mentor qui est en même temps son amant, qui s'appelle Henri Girard, un personnage fascinant que j'ai découvert en faisant la biographie, dont personne ne sait rien. C'est à peine si j'ai su sa date de naissance. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Pourtant, c'était un intellectuel important. C'est quelqu'un qui a défendu Bordua, qui a défendu Saint-Nigarneau, qui était dans la presse et qui a été vraiment le maître un peu de Gabriel Roy. Il l'aidait à travailler ses textes, il l'accompagnait quand elle allait faire ses excursions dans Saint-Henri pour prendre des notes, etc. Ça, je crois que ça l'a beaucoup aidé. Alors, très bien. Et donc, le livre paraît en juin 1945. Oui. C'est un livre qui détonne par rapport à la littérature canadienne-française. Elle commençait à changer la littérature canadienne-française. Déjà, il y avait eu, dans les années 30, quelqu'un comme Jean-Charles Harvé qui avait fait un roman, pas sur la ville, mais qui se déroulait en ville. Parce que traditionnellement, vous le savez, le roman québécois-canadien, qu'on appelait à l'époque, c'est un roman rural, le roman de la terre, ou de la forêt, en fait. Un roman que la ville est presque absente de la littérature québécoise, même si la population québécoise est majoritairement urbaine depuis longtemps. Alors, en ce sens-là, c'est très nouveau, on l'a dit. Mais plus que cela, je pense, c'est que c'est pas seulement à cause du décor. Je crois que c'est parce qu'on a pour la première fois dans la littérature canadienne, selon moi, et ça va rester une caractéristique de la suite de l'œuvre de Gabriel Roy, un livre qui est à la fois un livre populaire. C'est un livre vraiment qui s'adresse au grand public, et d'ailleurs, le grand public va mordre. Il y a de l'amour, il y a de la guerre. C'est un grand roman populaire, mais en même temps, c'est une œuvre littéraire de très grande qualité. Donc, elle joue à la fois sur les... pas jouer, là, mais enfin, elle réussit à rejoindre à la fois les deux exigences, l'exigence de la communication avec le plus grand nombre de lecteurs possible et une communication sans facilité excessive. Là, c'est pas... Et en même temps, la qualité littéraire, la beauté de la forme. Et ça va rester toujours chez elle une préoccupation de joindre ces deux exigences. Pour elle, deux exigences qui ne sont pas du tout contradictoires, qui vont de pair, vraiment qui vont de pair. Et donc, ce qui est vraiment étonnant aussi, c'est que ce roman a ce rayonnement à l'étranger. Ah oui, alors, ça ne se fait pas tout seul. Comment s'opère... Là aussi, il y a un autre personnage qui entre en scène. Qui va la suivre, je crois. Qui va la suivre pendant une douzaine d'années. Un autre personnage qui s'appelle Jean-Marie Nadeau. Jean-Marie Nadeau, c'est un avocat assez bien coté à Montréal, très proche du Parti libéral, parce que ça, on n'en a pas parlé. On en reparlera un autre jour. Mais oui, oui. Toute cette période de la guerre... Gabriel est tombé juste au bon moment. Elle est arrivée à Montréal au moment où le Parti libéral est au pouvoir à Québec, où tout se libéralise, l'instruction obligatoire, Hydro-Québec, le vote des femmes. On n'a pas idée aujourd'hui de cette ambiance complètement différente de ce qui va suivre avec Duplessis et de ce qui avait précédé. Donc, elle a profité de cette effervescence à cause de la guerre. Et donc, Nadeau, lui, à cette époque, est très proche du Parti libéral. Et c'est le père... C'est le père de Pierre Nadeau, le grand-père de la fille de Pierre Nadeau. Oui, oui. Donc, j'oublie le prénom, là, mais... Pascal. Pascal, c'est elle, d'ailleurs, qui m'a obtenu la photo de son grand-père. Alors, c'est un personnage assez fascinant aussi. Oui. Vous le connaissez un peu comme historien. Alors, il sera un peu le cerveau, avec la palme, peut-être, un cerveau du Parti libéral pendant les années 50. Certainement, un des politiciens qui a le plus directement contribué à la préparation de la Révolution tranquille, qui a conçu avec d'autres, bien sûr, ce que pourrait être un Québec moderne. Malheureusement, il est mort d'un accident d'automobile autour de 1960. Mais donc, Jean-Marie Nadeau, elle lui a demandé, parce que Nadeau était un ami de Girard, parce que les deux étaient dans le Parti libéral. Pardon, dans le Parti libéral. Alors, Jean-Marie Nadeau a accepté de devenir son homme d'affaires, son avoué, en quelque sorte, de Gabriel, parce que son éditeur a fait faillite, comme beaucoup d'éditeurs à cette époque. Il a fait faillite, il n'a pas pu remplir ses obligations, et Gabriel est devenue sa propre éditrice. Elle a repris ses droits et elle s'est occupée elle-même de son livre, et Nadeau l'aidait à cela. Et Nadeau, en même temps, s'est mis en tête de faire...
connaître le roman à l'étranger. Il avait des contacts, il avait été proche de l'agent de Simenon à New York, Maximilien Becker, et donc par ses contacts et aussi par une habileté de négociateur. Moi, Nadeau a laissé tout son dossier à Gabriel Roy après, donc on peut consulter tout le dossier de Nadeau et d'une habileté, d'une grande honnêteté, d'une grande finesse et en même temps un grand négociateur. On voudrait l'avoir parfois. Oui, oui. Et donc, il a réussi à placer le roman de Gabriel Roy chez un grand éditeur de New York, très grand éditeur de New York, qui a accepté de le publier. Non seulement il a accepté de le publier, mais il a fait en sorte, cet éditeur, que le roman soit choisi par le plus grand club du livre américain de cette époque, c'est-à-dire du monde, au fond, parce que c'était aux États-Unis. Alors, elle a signé son contrat et quelques jours ou semaines après, elle apprend que le livre est sélectionné par le Literary Guild of America. Ça voulait dire 700 000 exemplaires. 700 000 exemplaires. Il y avait des abonnés partout. Écoutez, c'est avant l'âge de la télé. C'est une époque où les livres circulaient. Oui. On n'a pas idée aujourd'hui. Oui. Le succès qui vient à Gabriel avec Bonheur d'occasion, ce succès médiatique monstre. Il n'y a pas un écrivain aujourd'hui dans l'univers qui est le nôtre qui peut avoir rien de comparable. Non. La littérature est au centre de la vie artistique, de la vie des médias. Alors donc, elle le place là. Quelques mois plus tard, on apprend, c'est toujours Nadeau là, qui tire les ficelles dessous, on apprend que Hollywood vient d'acheter les droits du roman pour 75 000 $ à l'époque. En 1946. Alors, immense succès aux États-Unis qui se répercute forcément au Canada anglais. Et la cerise sur le gâteau, ce sera quelques mois plus tard, Paris, parce que... Vu le succès aux États-Unis, un grand éditeur parisien, Flammarion, s'intéresse au livre. Par la France qu'elle est allée aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Nadeau, rare, ça. Nadeau avait déjà essayé de placer le roman en France. Ça n'avait pas marché. Ah oui. Mais quand elle a eu ce succès américain, alors là, les Français s'y sont intéressés et non seulement elle a été publiée en France, mais elle a obtenu le prix Fémina. Là, c'est la saison. C'était la saison. Alors. De nouveaux succès, même si le roman n'a pas très bien marché en France, pour un prix, pas tellement. Mais en tout cas, c'est vraiment Cendrillon. Là. Du jour au lendemain, c'est vraiment Cendrillon. C'est vraiment la citrouille qui se transforme en carrosse. Succès monstre qui a rejailli, au fond, sur toute la littérature canadienne aussi à ce moment-là. Alors, avant de poursuivre sur sa carrière littéraire, un mot sur son mariage. Elle se marie avec un dénommé Marcel Carbotte. Oui. Vous avez publié sa correspondance. Parlez-nous de lui un peu et quel genre d'union ce sera? Est-ce qu'ils c'est assez bizarre aussi. Ça fait partie des surprises du biographe. Alors, je vous ai dit à un moment qu'elle était un peu la... Elle avait une liaison avec Henri Girard, avec l'intellectuel montréalais Girard. Et voilà qu'à cause de ce succès de Bonheur d'occasion, elle en a assez. À un moment donné, c'est trop, elle n'en peut plus. C'est une femme extrêmement nerveuse. Elle dort plus, c'est trop dur pour elle. Elle décide d'aller se réfugier à Saint-Boniface chez ses sœurs pour se reposer. Mais comme elle dit, elle n'était pas contente du tout parce qu'à sa descente du train, il y avait des photographes, des journalistes. Mais en tout cas, elle a réussi à se reposer. Et... au Cercle Molière, on a organisé pour elle une soirée, puisqu'elle était une ancienne du Cercle Molière, une petite soirée d'amis. Il se trouve que le président du Cercle Molière à ce moment-là, c'est un nommé Marcel Carbotte, qui est un médecin, qui est un Franciscois d'origine belge, un homme, vous ne l'avez pas connu malheureusement, mais c'est un homme tout à fait impressionnant, très grand, très beau. Avec une élocution extraordinaire, vraiment le candidat idéal, vraiment le prince charmant, 5 ans plus jeune que Gabriel. Ah oui, oui. Oui, et qui l'adore complètement, qui est vraiment à ses genoux. Et elle fait sa connaissance au mois de juin 47, et ils se marient dans la plus stricte intimité à la fin d'août 1947, deux mois et demi plus tard. Ils décident non seulement de se... Donc, elle laisse tomber complètement Henri Girard, donc. C'est un peu bizarre. J'ai pas trouvé d'explication très nette. J'ai proposé des hypothèses d'explication, mais c'est pas clair. Là, j'étais presque dans le roman sentimental. Oui, oui. Et c'est le sujet, ce genre de sujet, vous n'avez pas osé aborder avec elle de son vivant. Ben non, d'abord, je savais même pas pour Henri Girard. Je l'ai appris c'est vrai. Pour Stephen, je l'ai appris en lisant le manuscrit de la détresse, mais sinon, non, je n'ai jamais parlé de ces choses-là avec elle. Mais
Donc, elle épouse ce monsieur, ce docteur, qui est en plus un être extrêmement cultivé, qui s'intéresse à l'art, qui a une immense admiration pour Gabriel. Et ils décident tous les deux de repartir en France. Lui, pour aller faire ses études de spécialisation en gynécologie. Elle, pour échapper au tourbillon médiatique d'ici. Et aussi, je crois bien, avec un peu l'espoir d'avoir une carrière française. Là, maintenant, elle est connue un peu sur la place de Paris à cause de son féminin. Elle espère, je crois, à ce moment-là, elle attend un peu quelque chose. Et donc, ils vont aller ensemble passer 3 ans en France, de 47 à 50. Oui. Et tout se passe bien entre eux. Je pense que c'est un mariage d'amour, mais aussi un mariage de convenance. Vraiment, Gabriel Roy cherchait quelqu'un, ce qui n'était pas du tout le cas de Stephen. Elle cherchait un homme, je crois, pour la protéger, pour l'aider, beaucoup plus qu'une passion. Et quand même, c'est une femme de 38 ans qui se marie. Il n'y a pas de projet d'avoir des enfants, et n'en auront jamais d'ailleurs, malgré toutes sortes de légendes qui circulent. Mais non, il n'y a jamais eu d'enfants. Et c'est une entente amicale, une amitié très profonde, très réelle, mais centrée sur l'œuvre de Gabriel. Bon, justement. Alors, parlons-en de cette œuvre, puisque, justement, comme vous le dites, elle n'est pas tout à fait une adepte des star systems et puis des mondanités. Elle est plutôt farouche. Oui. Alors, parlez-nous donc de cette nouvelle. Là, on a vraiment bien mis la table. Il nous reste que 10 minutes. Ça va très vite. Mais en gros, comment décrire d'abord sa vie plutôt routinière, nous dites-vous, comment évolue cette œuvre dans le temps? Donc, peut-être... Oui. La Gabrielle Roy au quotidien, d'un côté, et de l'autre, l'œuvre. Et de quoi est-elle faite et comment elle est venue? Oui, ben, ce serait un peu long de tout décrire, mais moi, je retiendrai peut-être une chose. Oui. C'est que plus on avance dans l'œuvre de Gabrielle Roy, il y a une quinzaine de livres à peu près, hein, entre Bonheur d'occasion et La détresse et l'enchantement, plus s'affirme l'indépendance de Gabrielle Roy. C'est-à-dire qu'elle poursuit son chemin à elle. Elle ne cède pas à toutes les modes, tous les courants, toutes les attentes, ce qui fait qu'à certains moments, elle est un peu déphasée par rapport, surtout dans les années 60, là, avec la nouvelle littérature québécoise. Elle continue à explorer son propre domaine, son propre territoire, et elle le fait d'une façon de plus en plus sérieuse, de plus en plus approfondie, cet approfondissement va dans le sens d'une sorte de découverte de soi ou de transformation de soi par la littérature. Alors, elle passe toutes ses journées sont toujours les mêmes. Ça doit être un peu ennuyeux. Elle n'a jamais trouvé ça ennuyeux, mais là, tous les matins, elle écrit. L'après-midi, elle fait de la correspondance. Elle écrit, je veux dire, elle essaye d'écrire parce qu'elle traverse de grandes périodes où il n'y a rien. C'est le vide, elle est un peu désespérée, mais jamais elle n'a perdu patience, jamais elle n'a perdu confiance. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec elle là-dessus. Elle disait, vous savez, la forge s'éteint. Il arrive que la forge s'éteigne. Il faut, à ce moment-là, il ne faut pas se désespérer, il faut attendre, il faut patienter, et il faut se garder prêt pour le moment où la forge va se rallumer. Ah, oui. Donc, elle refuse tout. Elle refuse. On veut faire des adaptations télé de Bonheur d'occasion. On veut qu'elle écrive à droite, à gauche, toutes sortes de choses. Elle refuse tout, elle se garde prête pour ce qu'elle va décider de faire. Et ça va donner des livres très différents les uns des autres, mais ça va donner des livres dans lesquels, justement, on va entendre de plus en plus sa voix personnelle. Et pour moi, c'est un grand modèle d'écrivain. C'est un grand modèle d'artiste, même, de façon plus générale. Un artiste, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il possède, qu'il a une chose à dire en particulier, mais il faut la trouver. Et cette recherche, cette quête, en quelque sorte, ça a été l'histoire des 30 dernières années de la vie de Gabrielle Roy, où vraiment, il ne se passe rien. Elle vit à Québec l'hiver, elle fait des petits voyages dans le sud ou ailleurs parce que sa santé l'y oblige, en quelque sorte. Et elle se réfugie tous les étés à Petite-Rivière-Saint-François, son Shangri-La, comme elle dit, son paradis, son ermitage, un endroit qui, pour elle, elle a voulu aller y mourir. C'est dire à quel point, même si c'était très déconseillé, là, elle a voulu finir sa vie à Petite-Rivière-Saint-François. C'était pour elle
le lieu par excellence où elle pouvait poursuivre son œuvre. Malheureusement, si on va à Petite-Rivière-Saint-François, je trouve que ce n'est pas assez mis en valeur, le lieu où elle a vécu. Je n'ai pas trouvé. Je m'attendais à avoir des plaques. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Non, elle ne voulait pas. Même de son vivant, il y a des gens à Saint-Boniface qui ont voulu acheter la maison de sa maison natale, en faire un musée. Elle était toujours contre. Elle les décourageait. Ça s'est fait après sa mort. Ouais. Mais non, elle était contre ce genre de choses. Et la petite maison la maison de Petite-Rivière-Saint-François, c'est une toute petite maison, très modeste. Il n'y a pas de quoi de. Enfin, nous, au fond, Gabriel Leroy, c'est-à-dire la succession de Gabriel Leroy, on a hérité de cette maison, non pas d'elle, mais de Marcel Carbotte, qui est mort quelques années après elle. Et on a pensé au début, on a consulté les ministères, les municipalités, etc., à faire un musée. Mais tout le monde nous l'a déconseillé. C'est pas fait pour ça. C'est pas organisé pour ça. Aujourd'hui, la maison appartient à la municipalité de Petite-Rivière et elle est accessible aux gens. Ouais. Les gens peuvent aller... Donc, une femme qui s'est consacrée à son œuvre, qui a refusé les distractions, je dirais, à la Claude-Henri Grignon, qui va plus vivre sur le même roman à travers la télé et tout ça. Mais elle se concentre sur l'œuvre à écrire. Une femme qui a une vie très... disons, solitaire, routinière, qui va aussi refuser ou disons, contourner ou échapper au mode féminisme, nationalisme, indépendantisme. Elle n'est pas trop là-dedans. Ouais. Sauf peut-être un discours que vous citez de 1947, où elle est honorée, je crois, par la Société royale du Canada. Et là, elle fait un discours plutôt engagé, mais très avec engagé. Une tonalité de gauche. Très engagé, tellement engagé que le journal communiste l'a publié le lendemain. C'était dans le journal Combat, le journal des communistes. Oui, mais ça, c'est une époque où Gabriel Leroy était vraiment à gauche. Le Bonheur d'occasion, c'est un roman de gauche, en quelque sorte, c'est-à-dire de roman sur le peuple, un roman de révolte contre le contraste, les inégalités sociales, etc. C'est très net. Elle a aussi publié un texte sur les Inuits. Est-ce qu'il y avait une forme d'engagement? Un roman sur les Inuits. Non. Non, vous voyez ça, non. Même si c'est très empathique à l'égard des Inuits, mais non, c'était pas vraiment la question, le thème qui la retenait. D'accord. Le thème qui la retenait dans cela, c'était la division culturelle. C'était l'appartenance culturelle. Qu'est-ce que deviennent les cultures dans un monde de progrès, etc. Bon, alors là, on boucle la boucle. On arrive aux années 70 où là, vous la rencontrez. Elle vous dit, peu à peu, vous tissez des liens. Et là, elle vous annonce qu'elle a une autobiographie qu'elle va vous confier. Alors, quelles sont les d'abord, consignes? D'abord, moi, c'est une des grandes chances de ma vie de l'avoir connue. La grande chance, c'est d'avoir assisté à la naissance de ce livre. Du détresse et l'enchantement. Elle me lisait de chapitre en chapitre à chaque fois qu'on se voyait. Ah oui? Oui, à chaque fois qu'on se voyait. Et moi, j'étais dans une admiration sans borne, naturellement. Ben, c'est un livre magnifique. Il n'y a aucune... Non, puis surtout, la première partie, le bal chez le gouverneur, c'est très complexe comme composition. Mais elle a fait ça sans aucune note, sans plan. C'était vraiment là, quelqu'un qui était en pleine possession de son métier. Et moi, elle m'envoyait les chapitres, je les lisais, on se voyait pour en discuter. Mais avec la consigne que ce serait publié? Bon, finalement, elle est arrivée, elle a publié les deux premières parties, celles qu'on a aujourd'hui. Il devait y en avoir quatre, mais les deux autres, on a seulement de petits bouts. Donc, ça a été terminé. Elle m'a envoyé une copie du manuscrit, elle en avait une. Elle a fait taper, elle m'a donné une copie, elle en a gardé une. Et elle m'a dit, je vous donne ça pour que vous vous en serviez pour votre biographie. Alors que je n'avais jamais dit que j'écrivais une biographie, mais pour elle... Ça allait de soi. Pour des gens de sa génération, de sa culture, le sommet de la critique littéraire, le sommet de l'hommage qu'on peut rendre à un auteur, c'est d'écrire sa vie. Et moi, je n'ai jamais dit oui, jamais dit non plus, mais il y avait comme cette espèce d'entente... Est-ce que ça vous a embarrassé? Non, ça ne m'a pas embarrassé. Au contraire, je serais bien ingrat de dire ça, mais moi, je me disais en moi-même, c'est pas... Non, je ne vais pas faire sa biographie. Ah non? Et elle a dit, vous vous en servez pour votre biographie et vous le publierez ensuite, après ma mort, pas avant. Mais finalement, pourquoi pas avant sa mort? Bien, je pense à cause de certaines choses qu'elle avoue, par exemple, cette première phrase. Oui, mais en même temps, ce n'est pas des grandes confessions Non, c'est pas. Il n'y a rien de scabreux, il n'y a rien de compromettant, mais il y a des choses... Il n'y a pas de règlement de compte non plus, on ne sent pas ça. Il y a des choses un peu délicates. Sa sœur Clémence vivait toujours, sa sœur Adèle vivait toujours, et elle dit à leur sujet des choses qui auraient pu les blesser. Puis en plus, c'est que... elle n'avait pas fini. Dans son esprit, ce n'était pas terminé. Là. Il restait encore deux volumes à écrire, mais elle était tellement malade à la fin. Elle est décédée de quoi en deux mois? C'est son cœur, c'est un infarctus, mais ça faisait des années. Mais à la fin, elle était une loque. Là. Elle n'en pouvait plus. Les deux dernières années, à peu près, c'était... Le temps file. Un mot sur le film, l'adaptation. Oui, On apprend en lisant votre biographie
qu'elle n'était pas très heureuse que ce soit Claude Fournier, qui est devenu qui est un de nos grands cinéastes aujourd'hui, mais à ce moment-là, il avait une réputation sulfureuse. Ouais, donc, pourquoi elle... Mais d'abord, il faut dire une chose. D'abord, elle ne l'a pas vu, ce film. D'accord. Tout s'est fait. Les droits, on donc, parle du film été... de Bonheur d'occasion, évidemment. Le film de Bonheur d'occasion. Les droits avaient été achetés par Hollywood, je l'ai dit. Oui. Et ils étaient là-bas, ils dormaient là-bas. Et des gens au Québec avaient essayé déjà de le racheter. Ça n'avait pas marché. Finalement, la compagnie, cette compagnie, Rose Productions, je pense, a réussi à racheter les films, les droits du film à Hollywood. Ils ont décidé de faire ce film. Bon, ils ont été gentils avec Gabrielle, ils l'ont consulté, mais elle n'a pas vu le film. Le film a été projeté à Moscou. La veille de sa mort. Ah, oui. Elle ne l'a jamais vue. Mais quand elle a appris que c'était, que ce ne serait pas Claude Jutras, par exemple, pour qui elle avait un immense respect parce qu'il avait fait Kamouraska, elle était craintive. Elle avait peur. C'est l'époque du soft porn dans le cinéma québécois. Et elle craignait un peu. D'accord, ça, d'accord. Écoutez, c'est déjà la fin en 15 secondes. Je sais que c'est extrêmement rapide, mais cette œuvre est originale en quoi? En deux mots. En quoi cette œuvre se démarque-t-elle des autres, à votre avis? Des autres, à cause de la voix, ce que je disais tout à l'heure, à cause de la voix tout à fait unique qu'on y entend, à quoi il faut ajouter, je crois, le fait que dans le cadre de notre littérature québécoise, canadienne, Gabriel Roy, c'est pas un livre ou deux livres, c'est toute une œuvre. Merci beaucoup, François Ricard. Donc, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, il faut lire la volumineuse, mais passionnante biographie de François Ricard, Gabriel Roy, Une vie. Il faut aussi lire en complément La détresse et l'enchantement. Avant ou après, selon votre goût. Mais La détresse et l'enchantement, c'est franchement là, un très, très grand livre. J'ai eu un coup de cœur pour cette autobiographie. Et si vous voulez en savoir plus sur François Ricard, évidemment, il faut lire toute l'œuvre Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Mais si vous voulez lire le dernier recueil d'essais de François Ricard, qui est vraiment la haute tenue et passionnant, La littérature malgré tout. Donc, on y voit aussi les engagements de François Ricard par rapport à la littérature. Donc, merci beaucoup et à bientôt.